Leur Majesté royale, la Reine Isabella et le Roi Bruce vous souhaitent la bienvenue. Roi Bruce, un autographe, s'il te plaît! J'adore tes mains! Oh, chérie, regarde ces adorables petites choses. La lampe d'Aladin. Et ça, c'est quoi? Je vois rien. C'est la cape d'invisibilité. Bruce, où t'es passé? Je suis là. Hé, Archibald! Ma couronne! C'est pas une couronne. Mauvais majordome. Encore un drame au palais. Oh, quelle jolie sirène! Coucou, ma reine! Tu veux m'adopter? J'ai la couronne du roi. Maintenant, on dirait qu'on est de la même famille. Je te la rends! Tiens, ta couronne. Ah, enfin! Tu as mon pardon, Archibald. Bébé, c'est cette sirène qui a trouvé ta couronne. Cette sirène va vivre au palais avec nous désormais. Oh, une boîte magique! C'est exactement ce qu'il me faut. Elle va m'aider à devenir roi. Archibald, réveille-toi, tu fais un burn-out. Va donc prendre une pause. Sirène, voici ton château personnel à l'intérieur de notre propre château. Dommage qu'il n'y ait pas de piscine. On peut arranger ça? Allez, chérie, souffle, vas-y. C'est une pompe dans ta main? Tu veux pas m'aider? Ok, je vais te donner un coup de main. Ça me muscle la jambe. Une piscine, wouhou! Ah, c'est juste parfait. C'est un requin ça ou quoi? Ma petite boîte. Ça mord! Hey Archie, tu veux jouer avec moi? Ça me va. Il est à qui cet aileron? Archie, je m'amuse comme une folle. Qui m'appelle sur mon hall miroir? On avait une réunion? Ok, j'arrive. Archibald, nourris notre sirène. Assure-toi qu'elle finisse son assiette. Allez Nancy, tu dois manger quelque chose. Sinon le roi sera fâché. Le brocoli nage directement dans ta bouche. Non! Regarde, c'est Aquaman! Où ça? J'ai des couverts spéciaux pour notre petite sirène. Y'a personne? Waouh, c'est trop joli, j'adore! Mais je mangerai pas quand même. Ok, dans ce cas, fais comme moi. Ça suffit! Bataille de nourriture! Trop marrant! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vite, le roi arrive! Boîte, sauve-moi! Waouh, t'as tout fini? Bien joué, Archibald! Préparez-vous pour la photo de famille royale! Souriez! Rapprochez-vous un peu plus. Oh, ma boîte! Regardez le flash! Mes yeux! Maintenant, je peux voler la boîte pendant que personne ne voit. On est aveuglés! Allez, la boîte, viens me voir! Oh, qu'est-ce qui est arrivé à Archie? C'est la pire photo de tous les temps! Tout le monde a une sale tronche. J'ai pas l'air si gros dans la vraie vie. Je sais comment arranger ça. Utilise des pièces en bois pour assembler un cadre. Je vais prendre un pinceau magique et peindre le bois. Et enduire le cadre de peinture nacrée. Maintenant, je vais faire apparaître des perles. La pince, votre majesté! Pas un cœur, la pince! Colle des demi-perles nacrées de tailles différentes. Décore un coin en doré.
Une pincée de magie Marie. Et notre cadre photo magique est terminé. Il n'y a plus qu'à mettre une photo à l'intérieur. N'importe quelle photo sera 100 fois plus belle dans ce cadre. Oh. Ma tête. C'est l'heure de faire du sport. Oh, ça fait mal. Ça, c'est un exercice pour les vrais rois. Sortir une épée d'un caillou. Je suis plus aussi fort que je l'étais. Chérie, tu dois retonifier tes vieux muscles. T'as raison, bébé. 1, 2, 3, 4. Allez, une autre série. Continue, Archie. T'es pas loin d'être au niveau où j'étais. Le cours de yoga royal. Les asanas de la sirène ont encore besoin de travail. Russe, tu te rappelles de comment t'étais quand on s'est rencontrés? Allez, fais plus d'efforts! Ok, chérie. Je vais retrouver mon énergie. Joyeux anniversaire, ma chérie! Voilà ton gâteau royal. Waouh, trop mignon! Eux, c'est mes amis. Maman, papa, voici Sigmund. Mon meilleur ami des mères. Son anniversaire. Parfait! Bonjour! Arrête de crier! J'ai besoin d'un cadeau pour la sirène fait avec ce coquillage. Ok, je m'en occupe. On colle une perle sur le coquillage. Ça rentre nickel. Je vais attacher un clou de boucle d'oreille à l'arrière. Maintenant, je vais peindre le coquillage en doré. Et réaliser la même boucle d'oreille pour avoir une perle. Tes boucles d'oreilles sont prêtes, monsieur. Merci beaucoup, t'es une super bijoutière. Merveilleux. Hé, et l'argent? Joyeux anniversaire, sirène. Tiens ton cadeau. Oh là là, merci. Ça, c'est un cadeau pour moi. C'est aussi mon anniversaire, après tout, aujourd'hui. Allez, donne-moi la boîte. Désolée, je voulais pas te faire de mal. Au fait, tes boucles d'oreilles sont trop cool. Bonjour, mes loyaux sujets. Veuillez accueillir notre nouveau membre de la famille royale, la sirène Nancy. La princesse des mers va vivre dans le palais à partir de maintenant. Et on a une couronne spéciale pour elle. Nancy est maintenant une sirène royale. Merci tout le monde. Hé, Bruce. What? Votre majesté. Bouh! Le roi est endormi. Pas des tomates. Que ça devienne des fleurs. Ah, maintenant c'est mieux. Mon peuple m'adore. Non, je déteste cette idée. Je ne signerai pas ça. Reine, joue avec moi. Jouez, jouez, jouez. Très bien, attends une minute. Archibald, joue avec la sirène. Je te défie en duel. Je parie de l'argent. Et toi, pourquoi pas ta boîte? D'accord. Les paris sont acceptés. Le duel peut commencer. Mais j'ai pas d'armes. Un flingue? Non. Non? D'accord. Et une batte? Oh, c'est dangereux ce truc. La batte m'a tapé. Espèce de loseuse à queue de poisson. L'arc de Robin des Bois. Mauvaise idée. Allez, défends-toi, sirène. Attends une seconde. Tout d'abord, je vais découper une tête de poisson dans du plastique. Utilise un modèle pour découper deux têtes. Chauffe du plastique à l'aide d'un sèche-cheveux et courbe la tête. Maintenant, colle toutes les pièces ensemble. Ajoute un aileron. Et peins-le avec des pinceaux magiques. Mets une épée en plastique dans le poisson. Colle une perle au bout de l'épée. Voilà mon espadon.
Défends-toi, Archibald. Quoi, ce jouet? C'est pas une vraie arme. Pitié! Mes fringues! Je ferais mieux de prendre ce poisson dangereux avec moi. T'as gagné, sirène! Bon travail! Chérie, j'en ai marre de travailler! Et si tu m'aidais un peu avec ces décrets, hein? Très bien! Archibald, t'es où? Je suis là! Tu veux bien m'aider avec ma paperasse? Ah, je pourrais l'étrangler! Archibald! Absolument! Je me mets tout de suite au travail! Regarde, chérie! J'ai installé Instagram sur le hall miroir! Signe ces documents, bébé! Comme tu voudras! Et moi, je peux enfin me détendre! J'en ai vraiment marre de mon job! Si seulement je pouvais être le roi! Waouh, mon souhait s'est réalisé! Non, je suis toujours qu'un majordome! Je déteste ça! Hé, Archie! Pire journée de ma life! Je déteste cet endroit! Et toi aussi, Nancy! C'est pour ça que j'ai besoin de ta boîte pour changer les choses! On fait la paix? Si t'as tant besoin de cette boîte, elle est à toi! Vraiment? Mes souhaits vont enfin se réaliser? Je veux être puissant! Découpe un trident dans du polystyrène. Ouah, ça marche! Lisse les bords avec un cutter. Et polie-le avec du papier de bulle. Colle le trident sur un manche en plastique. Peins-le. Qu'est-ce qui se passe ici? Décore-le avec un filet doré, des coquillages et des strass. Hé, hey, majordome! Peins les décorations. Ouais, je ne suis plus qu'un simple majordome maintenant. Sirène, j'ai plus besoin de toi. C'est trop injuste! Toi! Je m'en occupe, bébé. J'ai besoin de mon épée. Défends-toi, Archibald! Qu'il fait peur! Le truc, c'est que t'es plus le roi maintenant. Chéri? C'est moi ton chéri maintenant. Toi? Vénère-moi! Oh, mon roi adoré! Ah, je préfère ça! Mon rêve est devenu réalité. Je suis sur le trône. Et je suis le centre d'attention de tout le monde maintenant. Mais tout ça est vite devenu barbant. Va-t'en, majordome! Me regarde pas comme ça, ma reine! La sirène et moi, on passait de si bons moments. Je dois admettre que ça me manque. Ok, il est temps que tout revienne à la normale. Je veux plus être roi. Qu'on revienne dans le temps. Archibald! Attends, il a changé! Quoi? Il est gentil maintenant, n'est-ce pas, Archie? Tiens ta boîte, sirène. Et le trident. Tu peux le garder. Ok. Je crois savoir quoi faire avec. Cette épée et ce trident forment une équipe de rêve. T'as fait le bon choix, Archie. T'es notre majordome préféré, Archibald. Et on forme une grande et heureuse famille tous ensemble. Hé, les amis! Repérez les différences entre ces deux photos. Vous les voyez? Donnez vos réponses en commentaire.